Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous avons aimé cet instant agréable? Amen. D'adoration et de louange. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais quand même remercier notre Seigneur pour le vendredi dernier, pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je voudrais chanter pour lui. Alléluia. Amen. Nous allons encore chanter 5 minutes seulement. Alléluia. Amen. Mais nous allons danser aussi. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants et qui va chercher même. Il nous dit, c'est lui qui révèle les choses cachées. Ceux qui ont reçu par la grâce de cette veillée, la grâce d'être touché par le Seigneur. Et voilà à peu près là où je suis arrivé à reconnaître que non, Dieu, réellement, il est Dieu. Notre Dieu que nous prions est un Dieu vrai et nous sommes dans le véritable. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous allons juste chanter et danser. Alléluia. Amen. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia, Jésus. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Acclamons très très fort pour le roi des rois. Je remercie maman, mamie. Je remercie encore papa Nabisso Meshach. Amen. Je remercie encore notre frère. Alléluia. Aolobaye mort tout à l'heure. Naolobasute. Bon, Nasimakuna, Osuboyebi, Naolobate. Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'avais laissé un devoir. C'était un devoir. Aller chercher à la maison. J'avais lancé un verset qui était court, succinct, mais puissant. De toute la Bible, il y a ce seul verset-là qui contient ce que Jésus a exprimé pour dire la foi. Alléluia. Amen. Pour exprimer la foi. Pour nous dire que
sans la foi, nous ne pouvons rien avoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces versets, je l'avais lancé ici. J'ai dit non, je ne le dirai pas. C'était juste à côté, à portée de tout le monde. Mais je voulais savoir si les enfants de Dieu pouvaient connaître au moins comment Jésus nous a enseigné par les pratiques, par les miracles qu'il opérait, que nous devons avoir la foi. Alléluia. Amen. Ces versets-là étaient de Marc 5, verset 36. Alléluia. Ne crains pas. Alléluia. Ou je dirais tout simplement, ne crains. Crois seulement. Alléluia. Ne crains. Crois seulement. Je n'ajoute pas les pas. Je dis tout simplement, ne crains. Crois seulement. Alléluia. Alors notre thème de cet après-midi est tout simplement que le Seigneur me donne les dons de la foi. Alléluia. Que le Seigneur me donne les dons de la foi. Parce que tout le monde ne peut pas avoir la foi. Tu peux réaliser que Dieu opère de miracles, mais tu es combattu pour ne pas croire que Dieu opère de miracles. Mais tu es censé connaître, tu as vu, mais tu doutes, tu as encore des doutes pour réaliser que réellement Dieu est un Dieu parfait et Dieu qui réalise des miracles. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire le texte de Marc 5, de 21 à 43. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus a fait pendant ces temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus puisse nous dire « Ne crains, mais crois seulement. » Alléluia. Quand un homme de Dieu te dit de croire en la parole de l'Éternel, c'est que la parole de l'Éternel qui est dite a un effet. Comme la Bible nous dit, Dieu nous dit, sa parole quand elle sort, ne revient pas en lui si elle n'opère pas la mission qu'elle a été confiée. Alléluia. Si Dieu prononce quelque chose pour toi, attends-toi que cette chose-là se réalisera. Alléluia. Amen. Je ne vais pas encore aller vers Habacuc pour encore nous fortifier, de dire que non, crois et reste là. Attends jusqu'à ce que cela se réalise. Mais je voudrais tout simplement que nous soyons aujourd'hui dans le concret. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous a dit, crois seulement. Ne crains, mais crois seulement. Alléluia. Donc, en toutes choses, nous ne devons pas craindre. Nous devons tout simplement croire. Parce que ce que Dieu fait, il le fait pour que ça se réalise. Et nous, nous devons aussi avoir cet esprit de croyance tout d'abord en Christ. Celui qui croira en moi ne mourra jamais et aura la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois qu'il me manque quelqu'un ici à côté. Alléluia. Il me manque quelqu'un à côté. Ça, c'est le micro de Papa Meshach, mais il y a quelqu'un qui devait normalement l'emprunter. Alléluia. Amen. Ah, il s'est reconnu. Alléluia. Amen. Les copilotes. Alléluia. Amen. Ne crains, crois seulement. Alléluia. Amen. Et nous allons dire, tu dis à ton voisin, que le Seigneur me donne les dons de la foi. Tu dis à ton voisin, transmets ça à ton voisin. Alléluia. Parce qu'il faudrait que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions croire. C'est une grâce de croire. Seulement, tu n'as pas vu, mais tu as cru. Alléluia. Tu as entendu seulement de Jésus et tu as cru. On te parle juste du nom de Jésus, tu dis que, ah, je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Parce que la Bible nous démontre que les gens qui attendaient Jésus avaient plus de foi que les gens qui étaient avec lui. Alléluia. Amen.
Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'ont jamais vu. Mais les jours qu'ils voyaient Jésus, ils disaient, ah, ça y est, je suis guéri. Ça y est, mon problème est résolu. Ils attendaient jusqu'au point d'aller même toucher, d'aller même s'approcher, de vouloir même entrer par les toits. Ces gens-là avaient la foi ferme. Et nous devons aussi avoir cette foi-là, peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons lire. Nous allons lire. Tout le temps dans le combat, mon conji. Kasi. Tango Yezu ayoki maloba wana. Alobi na yai. Kobanga te tiaka kamotema. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant lire le texte de 21 à 43. Nous allons aller doucement. Alléluia. De 21. Oui, 21. Amen. Yezu akatisi lisusu mai na bwato. Awa akomi na ngombo bato ebele bayei kosangana epai na ye na libongo. Mokonzi moko ya mboka ya lisanga ayei kombo na ye yai. Tango amoni Yezu afukameli ye pe abondeli ye mingi alobi mwana na ngai ya mwasi alingi akufa nasengi yo oya kotiela ye maboko po abika pe azala na bomoi. Yezu akei nzela moko na ye bato ebele bazalaki kolanda ye kofindama ye bipai nyoso. Mwasi moko azalaki na kati ya bato wana azalaki kobela maladi ya kotanga makila. Asali mbula zomi na mibale amonaki pasi mingi mpona kokende epai ya baminganga ebele pe asilisaki mbongo na ye nyonso pamba. Maladi ebandi kosila te, kasi pasi, ezalaki kaka kokoma makasi. Oyo ayokaki sango ya Yezu, bongo aye komitosisa na kati ya bato sima na ye, pe asimbi elamba na ye. Pamba te, azalaki kokanisa soki na simbi ata elamba na ye nakoki soki na simbi ata elamba na ye nakoki ata kobika na mbala moko makila etiki kotanga pe aye koyebisa ye abiki kaka na tango wana Yezu ayebisaki te nguya na ye ezali mosala. Abaluki epai ya bato bazalaki kolanda ye pe atuni bango nani asimbi elamba na ngai. Bayekoli bazongisili ye omoni te bato ebele bazali kokangama na yo ndenge nini ozali kotuna nani asimbi elamba na yo. Kasi Yezu atali epai na epai po amona nani asalaki yango. Mwasi wana abandi kobanga pe kolenga po ayebaki likambo ekweyelaki ye bongo epai kofukamela Yezu pe ayebisi ye makambo nyonso. Yezu alobi na ye mwana na ngai, bondimi na yo ebikisi yo. Kende malamu maladi na yo esili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire rapidement.
en français. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en épirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint à la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il partait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. » Aussitôt la jeune fille s'éleva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons essayer maintenant de décortiquer ce passage de la Bible. Alléluia. Nous allons maintenant essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a trois volets. Dans ces trois volets, il y a tout d'abord la paix. Alléluia. Il y a la guérison. La paix et la guérison. Il y a aussi
les dérangements du Seigneur. Et le troisième volet, c'est une question, un questionnement que nous devons nous poser. Est-ce que je crois? Alléluia. Est-ce que je crois? Depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, interrogez votre cœur là maintenant. Posez-vous la même question. Est-ce que je crois réellement? Est-ce que je crois? Avec toutes les tribulations de ce monde, est-ce que je crois? Est-ce que j'ai cru? Est-ce que je fais ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce que je suis réellement les recommandations de Christ? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Nous allons maintenant voir. Jésus qui débarque de l'autre rive, parce qu'il était de l'autre rive, et il débarque la mer, il traverse la mer, et aussitôt, il y a un monsieur qui arrive. Le monsieur était le chef de la synagogue. Alléluia. Le chef de la synagogue. Ce qui signifie, dans la synagogue, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a tout le monde. Mais lorsqu'il a entendu parler que celui-là qui guérit de l'autre côté est en train d'arriver chez moi, c'est fini la synagogue. Je vais aller le chercher. Alléluia. Qu'est-ce qui nous arrive dans la vie? Nous avons très souvent des problèmes. Mais on essaie de résoudre ces problèmes-là nous-mêmes. On commence par se dire, non, bon, ces problèmes-là, comme chez nous, hein, on banalise tout, et les karanango. Qu'est-ce qui passe? Alléluia. Il y a même il y a une situation qui se passe très souvent. On te colle une amende. Tu prends l'amende, tu jettes ça ou tu déchires. Alléluia. Amen. Tu déchires ça. Mais l'État qui est là, et l'État t'attend. Un jour, il va te rappeler que tu as eu à telle date une amende. Et dans des circonstances que tu ne pouvais pas imaginer. Alléluia. Tu peux aller à la préfecture pour renouveler ta carte. Tu dis, bon, tu veux maintenant être, ou tu veux devenir français, ou tu veux maintenant habiter, avoir une résidence de 10 ans aujourd'hui. Bon, on te demandera tout d'abord de t'acquitter de toutes tes dettes. Alléluia. C'est aussi comme nous. Nous avons des problèmes. Au lieu de demander tout d'abord à notre Dieu, au lieu de nous approcher à Dieu, de prier, que Dieu nous révèle comment résoudre tout d'abord nos problèmes. Aller à l'église. Contacter les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous préférons rester à la maison. Non, ces églises-là, qu'est-ce que moi j'irai faire là-bas? Alléluia. Ces hommes de Dieu-là, alors qu'est-ce que moi j'irai faire là-bas? Au lieu même de dire, avoir du respect pour les œuvres des dieux, on banalise, on critique, on insulte. Alléluia. Amen. Cette attitude, dis-toi qu'un jour, Dieu va te les rappeler. Alléluia. Amen. Dieu va te les rappeler. Il te dira, mon fils, je t'avais montré un endroit pour aller exposer ton problème. Il y a des hommes des dieux. Si tu vas là-bas, ils vont prier, ils vont m'appeler et je vais résoudre ton problème. Mais comme tu as cru que tu pouvais le résoudre toi-même, maintenant, va les résoudre toi-même. Alléluia. Amen. Moi, je ne ferai pas pour toi. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne croira pas, alléluia, amen, celui qui ne croira pas mourra. Alléluia. Amen. Celui qui ne croira pas mourra. Oyo akondimate akokufa. Mais oyo akondima akobika pe akozwa bomoi ya seko. Sera sauvé et aura la vie éternelle. Alors maintenant, c'est à nous maintenant de choisir. Si nous croyons, nous allons être sauvés et nous aurons la vie éternelle. Si nous ne croyons pas, donc nous allons mourir. Ça, il n'y a pas d'autre alternative.
il y a direct, tu vas mourir. Qu'allons-nous choisir maintenant? Mourir ou croire? Alléluia. Ce type-là demanda à Jésus. Il n'a pas dit si. Alléluia. Parce que cette semaine, il n'y a que ça. On ne parle que de si. Il n'a pas dit si tu veux. Si tu peux. Il a dit ma fille est à l'autre extrémité. Mais viens lui imposer les mains. Qu'elle guérisse et qu'elle vive. Écoutez un peu. Est-ce que vous comprenez la foi de cet homme? La foi de cet homme. C'est une exigence. Parce que et c'est un droit pour toi. Alléluia. Amen. Christ est mort pour toi. Sur la croix, il a cloué tout ton malheur, tous tes problèmes sur la croix. C'est rester là sur la croix. Il suffit tout simplement de regarder la croix et de dire que voici mon problème que tu as cloué là sur la croix. Mais je voudrais une solution. Dieu te donnera la solution. Alléluia. Amen. Parce que tout a été exposé sur la croix. Mais Jésus étant vivant, le monsieur a croyé parce qu'il savait que si je trouve seulement ce monsieur-là, il a joué de son privilège d'être le chef de la synagogue. Alléluia. Amen. Donc le privilège de croiser Jésus pour lui, c'était facile. Pendant que les autres, il fallait vraiment, je ne sais pas, trouver des moyens adéquats pour trouver et rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Mais lui, il a joué parce qu'il était chef. Alléluia. Amen. Mais un chef pouvait dire aussi, non, moi je suis chef, je suis le pasteur ici. Je ne peux pas aller voir l'autre là, l'autre pasteur là-bas. Alléluia. Amen. Non. Mais en toute simplicité, il s'est plié tout d'abord devant Jésus pour lui demander. Mais une recommandation aussi. Viens avec moi, on va traverser de l'autre côté. Et tu vas imposer tes mains sur ma fille. Elle vivra, hein, et elle sera guérie et elle vivra. Toi aussi, dans tes problèmes, tu dois impérativement dire à Jésus, viens, parce que j'ai un problème. Si ta présence, si je sens ta présence dans ma vie, je sais que mon problème sera résolu. Amen. Alléluia. Amen. Si je sens que tu es vraiment avec moi, parce que je crois que tu es mort pour moi sur la croix, je crois fermement que tu es mort pour moi et tous mes problèmes sont résolus sur la croix. Je n'ai plus à avoir crainte. Alléluia. Amen. Je n'ai plus à avoir peur. Alléluia. Amen. Son problème était résolu. Il y avait aussi la désert. Écoutez, parce qu'il n'y a que ces versets-là, ce chapitre-là de Marc qui parle de la foi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre. Hein? Il n'y a que Marc 5 là qui parle de la foi. Les gens qui se sont exprimés d'une manière fondement de croyance pure et simple, d'une fermeté. Alléluia. Amen. La femme qui était malade souffrait depuis 12 ans. Elle a vu des médecins, elle a vu des guérisseurs, elle a essayé d'avoir la solution à ses problèmes. Pendant 12 ans, elle souffrait. Vous savez bien comment ces gènes-là, pour les femmes, de rester pendant 12 ans dans cette situation, c'est vraiment horrible. Alléluia. Mais elle a cru. Elle dit seulement, si seulement je pouvais l'approcher, je serais guéri. En elle disait ça. Si seulement je l'approche, donc je serais guéri. Comme Dieu voulant aussi exprimer aussi sa bonté. Dieu a permis à la femme
parce que la femme avait la foi, qu'elle puisse se débarrasser de son mal. Parce qu'elle a cru en Jésus. Il y avait la foule. Imaginez une femme parmi les hommes, une femme qui effraie un chemin parmi les hommes, parmi le monde, pour aller toucher même le chef. Et personne s'en est aperçu. Alléluia. Amen. Même lui-même, il ne s'attendait pas à ça. Une telle foi, parce qu'elle a arraché, la robe de Jésus. Alléluia. Elle a... Alléluia. Est-ce que vous voyez souvent les matchs de rugby? Comment les joueurs plongent sur les ballons ou courent pour attraper les ballons? Donc, je ne pense pas, je ne sais pas dans quelle situation elle a essayé de toucher quand même Jésus. Alléluia. Amen. Et voir maintenant, quand cela s'est passé, qui était là à côté? Ce sont ses apôtres, ses disciples. Alléluia. Amen. Jésus pose la question, une telle question. Qui m'a touché? Regarde maintenant les apôtres. Mais tu ne vois pas la foule qui te piétine, qui te bouscule, qui te presse, et tu poses la question. Alléluia. Amen. Dans ta vie aussi, il y a aussi de ces gens qui viennent te dire pareil. Ils viennent te dire, mais tu pries, tu as commencé de prier, tu ne trouves pas de solution. Mais est-ce que tu ne peux pas voir à côté les voisins? Parce que les voisins, chez eux là-bas, ils ont de ça. Si tu vas les chercher, ils te donnent, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens-là qui te diront de ne pas aller à l'église, de ne pas prier, de ne pas jeûner. Ils vont te décourager. Alléluia. Amen. Mais comme la femme a touché Jésus, Jésus était convaincu que cette femme-là, il y avait une forte puissance qui était sortie en lui. Donc, il a senti que non, il y a quelque chose vraiment avec des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas occupé des gens qui parlaient tout autour de lui. Mais il continuait à regarder. Aussitôt, il a vu la femme. Il dit, ah, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme, elle a eu peur, elle a raconté aussi tout ce qui s'était passé. Alléluia. Amen. Nous étions à la veillée et nous avons dit ceci. Les témoignages de l'Éternel, parce que la Bible nous le dit, nous témoignons pour nos œuvres. Nous témoignons pour tout ce que nous faisons. Et nous cachons ce que Dieu fait. Regrette que c'est comme si c'est une abomination. C'est comme si tu faisais du mal de témoigner de ton Dieu, de ce que Dieu a fait pour toi. Tu as peur de dire à ton voisin, à ton frère, à ta famille, que Christ m'a guéri, Christ m'a sorti, que Christ m'a délivré. Alléluia. Amen. Tu as peur que les gens sachent que tu étais allé à l'église. Et à l'église, c'est là où tu as été délivré. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui t'a guéri, délivré. C'est celui qui t'a soulagé. Tu ne peux pas reconnaître quand même ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mais il faut, une fois j'avais dit, les enfants de Dieu devaient avoir le zèle. Le zèle, comme Paul disait, depuis que j'ai connu Christ, je ne recule plus, je vais toujours de l'avant. Alléluia. Amen. Et de l'avant, quand je parle pour que les autres sachent que je suis un serviteur de Dieu. Je ne me cache plus. Je ne suis plus la même personne. Aujourd'hui, tout ce que je fais pour la gloire de l'Éternel. Et je cours pour remporter la couronne de la gloire. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu tout ce que Jésus a fait pour lui. Et comment il est devenu Paul qui était Saoul. Il n'avait pas, il ne pouvait pas s'arrêter tout simplement de ce que Jésus avait fait et s'est caché et commencé à faire le semblant de dire que non, Jésus là, je ne connais pas ou il n'a rien fait dans ma vie. Sachant, tu caches cela. Alléluia. Amen.
Comment veux-tu, si tu caches le témoignage de Jésus, comment veux-tu que l'autre qui est aussi dans les mêmes problèmes aille aussi chercher Jésus? Alléluia. Amen. Donc nous devons témoigner. Alléluia. Amen. Donc la femme a témoigné ce que Jésus avait fait. Mais il y avait la foule. Hein? Il y avait la foule. Elle n'avait pas eu honte. Elle ne s'était pas non plus cachée. Elle avait dit tout simplement, c'est le moment de dire la vérité. Ce type-là m'a sauvé. Alléluia. Amen. On verra même au chapitre de l'acte des apôtres. Alléluia. 1. Pierre allait aussi à la synagogue. Et à la synagogue, il y avait un type qui était paralytique, qui quémandait. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, Jésus s'en est séparé de ses apôtres et ils n'avaient plus le choix. Mais comment maintenant faire? Le Seigneur est parti. Mais nous devons maintenant nous rapprocher de l'Église. Alléluia. Amen. Ils n'avaient plus le choix. C'était comme des enfants abandonnés. Nous sommes là des enfants abandonnés. Christ est parti. Il nous a promis de revenir. Le seul endroit qu'il nous accorde de nous réunir, de l'appeler, de louer, de l'adorer, de prier, c'est l'Église. Alléluia. Amen. C'est le seul endroit que nous devons nous retrouver pour prier, implorer, supplier. Alléluia. Jésus-Christ, c'est pour qu'il fasse quelque chose en attendant qu'il le revienne. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas le choix. L'homme, même les médecins, ne peut rien faire pour toi. Si la main de Dieu n'est pas sur toi pour être guéri, dis-toi qu'il n'y a rien. Même les médecins peuvent appeler des scientifiques plus avancés. Ils ne feront rien pour toi. Alléluia. Amen. Parce que eux-mêmes, deux fois, ils s'interrogent. Pour dire, on a essayé, on a même fait des études, de tels médicaments, pour qu'on puisse trouver des solutions, mais on n'en trouve toujours pas. Donc la seule solution, c'est que Dieu fasse. Alléluia. Ils le disent très souvent, les médecins. Maintenant, nous ne pouvons qu'espérer en Dieu. Nous ne pouvons que croire en Dieu. Alléluia. Amen. Si le médecin abandonne à un certain moment donné, il dit que non, moi j'ai essayé, je n'ai pas pu. Maintenant, laissons à Dieu d'agir. Et pourquoi toi, un enfant de Dieu qui a cru, qui a dit que non, le Seigneur est mon sauveur, et mon Seigneur est sauveur, pourquoi ne pas commencer par lui pour aller voir le médecin? Alléluia. Nous allons maintenant au troisième aspect. Il y avait une fillette de 12 ans qui était morte. La Bible nous dit que les gens rigolaient quand Christ était venu pour dire « Oh, mais pourquoi vous faites du bruit ?» Sachant que les gens pleuraient. Hein? Comme chez nous, là, tu vois les pagnes là-bas. Les pannes là-bas, les autres crient, ah maman, l'autre là-bas, du bruit comme ça, dit, oh, mais pourquoi vous criez? Mais la fille, elle dort. Pourquoi vous faites du bruit, elle dort? Alléluia. Amen. Ton problème aussi, le problème que tu as, dort. Le problème, ton problème, dort. Ta situation, dort. Ce n'est pas une fatalité. Donc tu ne mourras pas. Tu trouveras une solution à tes problèmes. Mais les jours que tu viendras à Jésus pour dire, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu résoudre mes problèmes. Mais il n'y a que toi seul qui peux trouver une solution pour moi. Et ces jours-là, hein, au même instant, il va commencer à agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se moquaient de Jésus.
pour dire, mais de quoi il parle encore ce type-là? Mais la fille, elle est morte. Nous sommes là depuis des heures. Elle est morte. Elle lui dit que non, il dort. Elle dort. Non. Jésus a vu dans leur cœur qu'ils étaient des incrédules. Donc, ils ne pouvaient pas assister à ces miracles qu'ils devaient opérer. C'est pour ça qu'il a dit, bon, vous ne servez à rien de toute façon. Allez, sortez. La maman et le papa qui étaient convaincus que Christ allait faire quelque chose pour leur fille avaient la foi de croire que si Christ venait dans leur maison, la fille serait sauvée. Alléluia. Amen. Donc, de même que toi aussi, ton problème, le problème que tu n'arrives pas à résoudre, je te dis tout simplement que ton problème dort. Le jour où tu croiras que Jésus a opéré de tels miracles pour les autres, il est capable de faire autant pour toi, c'est ce jour-là que tu auras aussi la solution à tes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de la Bible. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Va en paix et sois guéri de ton mal. Jésus parle de cela à la femme. Va en paix. Vous savez, la paix, quand on a la paix, c'est qu'on a trouvé la solution à nos problèmes. On ne peut plus penser à ces problèmes-là. Parce que ces problèmes-là sont déjà résolus. Tu ne peux plus revenir sur ces problèmes-là. Tu dois tout simplement croire que Jésus m'a guéri. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Un point, un barre. Alléluia. Amen. Quand tu reviens encore derrière, tu retournes encore derrière pour demander, est-ce que je suis guéri? Est-ce que tu as déjà cru en Jésus? Non. Alléluia. Amen. Donc, c'est que tu as encore du chemin à faire. Tu as encore du chemin à faire dans ta vie chrétienne. Tu dois croire, tout simplement. Crois seulement, c'est tout. La parole de Dieu est efficace. Est une arme. Est une arme. La parole de Dieu est une arme qui guérit. Est une arme qui délivre. Mais si tu commences à retourner derrière pour dire, tu ne crois même pas. La parole, on peut te donner même 100 versets de la foi, mais tu ne pourras pas résoudre ton problème parce que c'est toi-même qui as des doutes par rapport à la parole, par rapport à ce que Jésus a fait. Si tu as des doutes, tu ne verras pas non plus la solution. Mais si tu crois, tu auras la solution. Alléluia. Amen. La foi, quand on nous parle de la foi, dans Hébreux 11, 1 à 2, alléluia. C'est des versets que tout le monde connaît, mais je voudrais que vous les connaissiez encore mieux. Alléluia. Amen. Tokotang na komba mokonzi. Bondimi. Soki moto azali na bondimi. Asi azui eleko oyo. Quand Dieu créa la femme, quand Dieu créa l'homme, et il a dit, je vais créer aussi un être semblable à l'homme. Alléluia. C'est le copilote de l'homme. La femme est là pour observer, pour ne pas empêcher son homme de dérouter. La femme a un rôle vraiment important dans la vie de son homme. Alléluia. Amen. C'est la femme qui est capable d'adoucir la colère de son homme. L'homme peut s'enflammer, mais sa femme avec un sourire seulement, et l'homme est là pour dire, ah,
ma femme est là, donc je suis tranquille. Alléluia. Nous aussi, nous devons avoir cette attitude-là. Comprendre réellement ce que veut notre Dieu. Si la femme a été la première, je vous dis, hein, ça, c'est, je dis ça comme prémisse, tout simplement. La femme, Dieu a donné la puissance, non à l'homme, mais à la femme. Malgré que c'est la femme qui a trompé l'homme. Mais Dieu a donné la puissance à la femme. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Alléluia. Amen. Nous reviendrons dans Genèse. Alléluia. La femme. Il dit à l'homme, tu travailleras désormais, toi, comme tu as écouté la femme. Toi, tu vas suer pour manger, tu vas travailler. Mais toi, la femme, tu vas manger de sa sueur. Est-ce que vous comprenez ça? Comment Dieu nous a affaibli? Toi, désormais, tu vas manger de son pain. Lui, il travaillera pour toi. Alléluia. Or, avant, c'était l'homme qui rencontrait Dieu, qui faisait tout pour la femme. Mais là maintenant, c'est la femme, c'est l'inverse maintenant. Malgré que c'est la femme qui a trompé l'homme. Et pour finir sur ce volet, la femme, Dieu lui a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Mais pas à l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a donné le pouvoir, la puissance à la femme d'écraser la tête du serpent. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voyons, si on veut affaiblir un homme, on passe par sa femme. Alléluia. Amen. Si seulement on veut atteindre un homme, on passe par sa femme. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons maintenant que la femme a un rôle prépondérant dans le ménage, dans la vie des hommes. Il faut du respect. Il faut un peu du respect. Amen. Mais la femme est combattue jour et nuit, chaque jour. C'est par la femme qu'on s'introduit, qu'on introduit. Les serpents s'introduisent facilement. Parce que la femme a un cœur adouci. Alléluia. Amen. Moindre baratin, elle cède. Ou elle s'emporte. Et les serpents rentrent. Alléluia. Amen. Facilement. On va parler de ça un jour. Alléluia.
Dieu pour la prière de Christ. Ferme les yeux et priez. Père, nous bénissons encore ton Seigneur divin. Père, nous te disons encore merci pour ces moments, Père, que tu as passé avec nous. Merci pour ta présence, Père Yahvé. Père, merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, Père Yahvé, car tu nous as nourris encore aujourd'hui, Père Yahvé. Père, tu nous as donné encore l'assurance encore aujourd'hui, Père, car tu es Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants pour te dire encore merci. Pour ton serviteur, Père, que tu as donné, Père, la nourriture que tu nous as donnée aujourd'hui, Père. Merci, Père éternel, car tu es Dieu, Père Yahvé. Père, il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Père Yahvé. Toi, celle qui prend soin de ses enfants, Père Yahvé. C'est pour ça que nous te disons merci. Nous remettons, Père, la fin des journées, Père, entre tes saintes mains divines, Père Yahvé. Et nous remettons, Père Yahvé, nous recommandons, Père Yahvé, la journée qui va commencer demain entre tes saintes mains. Que toi seul prends contrôle, Père Yahvé. Yahvé, prends contrôle pour tes enfants, Père, pour leur travail, Père Yahvé. Pour nos enfants qui vont partir à l'école, Père Yahvé. Et pour ceux qui vont chercher du travail, Père Yahvé. Ceux qui ont des problèmes de papier, Père Yahvé. Qu'ils soient bénis, Père Yahvé. Père, nous remettons tout en tes saintes mains. Car c'est toi le conducteur, Père Yahvé. Le médiateur, Père, c'est toi, Yahvé. Père, nous remettons notre chemin aussi entre tes saintes mains divines, Père Yahvé. Que toi seul conduis-nous, Père Yahvé. Que tout esprit d'accident, Père Yahvé, nous le brisons, nous le paralysons, Père Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toi seul prends conduit, Père. Conduis-nous, Père Yahvé. Conduis chacune de nous, Père Yahvé. Conduis chacune de tes enfants, Père Yahvé, qui étaient dans ces lieux, Père Yahvé, dans ta maison. Merci, Seigneur Jésus. Je couvre tout, Père, par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu bénisse Maman Esther. Amen. Que Dieu bénisse Papa Constant. Amen. Que Dieu bénisse Papa Meshach. Amen. Que Dieu bénisse Maman Mamie. Amen. Que Dieu bénisse Papa Babi. Amen. Que Dieu bénisse Papa Claude. Amen. Que Dieu bénisse Papa Israël. Amen. Que Dieu bénisse Papa Max. Amen. Que Dieu bénisse Papa Floby. Amen. Que Dieu bénisse Papa Joussard. Amen. Papa Fils. Amen. Bibiche. Amen. Marie Gabi. Amen. Maman Angèle. Amen. Maman Valérie. Amen. Maman Bijou. Amen. Alléluia. Maman Betty. Amen. Alléluia. Maman Marie-France. Amen. Papa Faustin. Amen. Et moi-même aussi. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez-y dans la paix. Solitina
Na yo moninga yaka to mi petula.